En avant toute, l'OM doit maintenant passer la seconde. Les joueurs de Didier Deschamps ont besoin de points après un début de championnat décevant. Dimanche soir, il faudra donc gagner contre Monaco au Vélodrome, une équipe qui possède de sérieux atouts. Il y a un potentiel offensif qui est très important. Après, je ne sais pas qui ils en ignorent parce qu'il y a plusieurs possibilités. Ils ont eu des joueurs internationaux comme Park, Nicolae, Mbokani qui ont été sollicités. C'est une équipe qui défend bien, qui aime bien défendre et qui se projette vite vers l'avant. Un premier match qui inaugure un calendrier infernal pour les Olympiens. Dans les prochaines semaines, ils joueront quasiment tous les trois jours. Il va donc falloir être costaud, d'autant que cette année, l'OM espère bien faire un résultat en Ligue des Champions. J'espère qu'on arrivera à se concentrer et puis on arrivera à prendre les matchs par match, c'est ça surtout. Et ne pas penser à d'autres matchs avant. Et ça passe déjà dès dimanche. Faire un bon résultat, rester sur la confirmation qu'on a joué contre Lorient quand on a gagné et puis le bon point qu'on a fait à Bordeaux. Gagner des points et de la confiance face à Monaco, ce sera la mission des joueurs de Didier Deschamps avant leur premier match de Coupe d'Europe mercredi face à Moscou.